Alors PlayStation 4, c'est une vraie révolution. D'abord, c'est une révolution graphique. On a pu le voir à travers les jeux qui ont été montrés. On arrive vraiment petit à petit à une qualité graphique qu'on pouvait trouver que dans les films avant. Maintenant, ça devient du temps réel. On va pouvoir jouer dans cette qualité-là, ce qui est une vraie révolution pour les joueurs. C'est aussi une révolution pour les développeurs, j'allais dire, puisque c'est vrai que les consoles précédentes étaient assez complexes à programmer. Et c'est vrai qu'on passait beaucoup de temps à essayer de faire fonctionner les choses. Et c'est vrai que maintenant, avec la PlayStation 4, c'est une console qui est extrêmement simple, extrêmement accessible. Et que toute l'énergie qu'on passait avant à essayer de faire marcher le jeu, on va pouvoir maintenant le passer à essayer de créer des jeux qui sont encore meilleurs. Alors, il y a eu énormément d'évolutions évidemment ces dernières années avec l'arrivée des mobiles et des tablettes, et il était tout à fait logique que Sony intègre ça dans sa réflexion. Et aujourd'hui sur la PlayStation 4, il y a une vraie réflexion multi-écran qui intègre la PlayStation Vita, qui va permettre de continuer cette expérience de sa PlayStation 4 vers la PlayStation Vita mobile, mais aussi d'aller vers le téléphone portable, vers la tablette, et encore une fois d'étendre cette expérience sur d'autres écrans. Donc voilà, c'est une évolution qui est tout à fait logique, naturelle et je crois attendue par les joueurs. Qu'est-ce que vous aussi... Alors on travaille sur des choses dont je ne peux pas parler encore évidemment aujourd'hui. Ce qu'on a voulu montrer ce soir, c'est vraiment une toute petite chose. On travaille depuis un an sur un nouveau moteur graphique sur PlayStation 4 pour un nouveau projet qu'on annoncera le moment venu. Mais ce qui nous intéressait de montrer ce soir, c'est à quel point on peut aller vers des choses qui sont de plus en plus subtiles en termes d'émotion, sur le regard, sur les personnages. On peut vraiment s'approcher maintenant très près et on peut vraiment simplement en les regardant avoir une idée de ce qu'ils ressentent et de ce qu'ils pensent. Ce qui était totalement impossible avant parce que la technologie ne permettait pas ce niveau de subtilité. Aujourd'hui avec les PlayStation 4, c'est quelque chose qui devient possible. Ça va vraiment ouvrir de nouvelles dimensions pour les créateurs de jeux en termes d'émotion et en termes d'implication du joueur.